Et bonjour à tous. Je suis encore au lit. Je suis en train de lire tous vos messages de la vidéo précédente. Et franchement, ça m'a vraiment remonté le moral. Vous avez mis vraiment que des messages de soutien, d'amour, quoi. Et franchement, ça réchauffe vraiment. Ça fait vraiment du bien de lire tous ces messages. Je suis en train de vous répondre. Alors, il y en a énormément. C'est vraiment incroyable. Il y a plus de 1000 messages. Donc, je mettrai un peu de temps à vous répondre. Donc, excusez-moi hein, si je vous réponds pas tout de suite. Donc, c'est vrai que je profite à fond des soirées et c'est vrai que j'ai un peu moins de temps à moi, quoi, tout seul. Donc, c'est vrai que je mets plus de temps à répondre. Donc, je suis vraiment désolé, hein, mais j'essaie de profiter à fond des soirées. J'ai trouvé vraiment des personnes formidables, vraiment très simples. On a vraiment le même état d'esprit et c'est vraiment un plaisir de partager avec eux. Des bons moments, c'est vraiment super agréable. À ces derniers temps, j'étais plus trop motivé à faire des vidéos à cause de ces mauvais commentaires. Et c'est vrai que là, tous vos messages que vous avez mis dans la vidéo précédente, ça m'aide beaucoup psychologiquement. Et franchement, ça m'a remotivé de lire tous vos messages. Et il y a des personnes qui me suivent depuis le début. Donc, c'est vrai que de toute manière, j'avais pas envie de lâcher parce que. C'est vrai que ça m'apporte quand même beaucoup de partager. C'est toujours un plaisir, si vous voulez, de partager ce que je vois avec vous. Donc, je pense que ouais, je vais continuer, malgré que des fois, c'est vrai que c'est dur parce que ça casse le moral. Hein, surtout que, bon, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que, bon, heureusement que vous êtes là et que vous me laissez vraiment des commentaires adorables. Sans ça, franchement, s'il y avait plus de commentaires méchants que de gentils, j'aurais arrêté depuis longtemps déjà. Ce matin, j'ai bien envie d'aller visiter le village de Saint-Pierre-des-Nids. Donc je me suis levé un petit peu plus tôt que les autres jours. Et comme ça, on va aller visiter un peu le village. J'espère que ça vous plaira. Donc allez, il faut que je me motive. Je vais me lever, je vais me préparer, prendre mon petit déj et puis on va y aller. Allez, je vais préparer mon petit thé. Ah, il faut que je change les bougies par contre. Commence à être fatiguée celle-ci. La poubelle. Ah, il y a Falcor là. Bonjour Falcor. Tu dis bonjour à tout le monde. Tu dors encore? Oh, mais laisse-moi, je dors. Un gros doudou, hein. Bah oui, on s'est levé tôt aujourd'hui, hein. On va aller se balader, on va aller bien profiter, mon gros. Bah oui. Alors, mes bougies, hop, elles sont là. Hop. Et la quatrième. Hop, je remets les mèches droites, ça c'est plus facile à allumer. Voilà. Petit cadeau de Marie-Claire. C'est vrai que c'est quand même pratique. Hop là. Et quatrième. Voilà. J'ai vu que Manu, toi aussi, tu avais utilisé cette technique. Ça t'avait dépanné parce que tu n'avais plus de gaz. Et bah, ça me fait plaisir que de me l'avoir envoyé. Ça me fait plaisir si je donne des astuces comme ça, sans vraiment le vouloir, parce que bon, c'est des petits trucs que je fais, que je trouve au fur et à mesure que je découvre un petit peu la vie de Vine Life, Vine Lifer, enfin, plutôt de camping-cariste, parce qu'on est plus dans des camping-cars, mais bon. C'est vrai que c'est marrant de partager comme ça au biais de la vidéo. C'est gratuit, Falcor? Ou tout de suite? C'est gratuit? Bah oui. Oh, que t'es beau. Allez, viens me voir. Viens. Oh, oui. Oh là là, ça secoue. Oh là là. Que t'es beau, toi. Y a pas mal de personnes qui me disent que leur chien regarde aussi Falcor. Toi aussi, t'as plein de gentils abonnés qui laissent des commentaires. Bah oui. Vas-y, le celui-là. Regardez-le là. Oh là là, qu'il aime ça.
Allez, monsieur s'étire. Ce matin, je vais goûter la crème de caramel. C'est Joël qui nous l'a apportée. Et franchement, j'ai jamais goûté. Alors, je vais me faire des petites tartines ce matin avec mon petit pain de mie et donc ma petite tisane. Parce qu'en fait, enfin, c'est des infusions, c'est pas du thé en fait. Oh, ça a l'air bon ça, dis donc. Bon, il y en a plein le couvercle. Ouais, effectivement, c'est vachement liquide. On dirait un peu du miel. Je connaissais pas du tout. Je suis en train d'en mettre de partout parce que je fais à une seule main, donc c'est pas évident. Bon, je vais arrêter avec mon téléphone parce que là, ça va pas être facile. Voilà, demain c'est plus facile quand même. Allez, on va goûter ça. Ben, c'est super bon. Franchement, j'avais jamais goûté. Ça régale. J'en lèche la cuillère tellement c'est super bon. C'est pas trop sucré, hein. C'est pas mal. Hop, alors. C'est bon, c'est chaud. Hop là. Voilà. Elle m'avait apporté aussi des petits gâteaux comme ça au beurre et des pépites de chocolat. Alors ça aussi c'est mon petit péché mignon. Ça a trempé dans mon infusion, franchement c'est trop bon. Ben, je crois que Wilson il n'est pas encore réveillé. Je vais aller voir s'il dort. Wilson, tu dors? Ah bah ben non, t'es réveillé. Voilà, montre-toi un petit peu. Voilà, comme ça tout le monde te voit. Il va falloir que je me dépêche par contre parce que là aujourd'hui on est mardi donc je vais la poster ce soir la vidéo. Donc va falloir que je me dépêche à faire mon petit montage que j'ai pris un peu de retard. D'habitude je filme la veille pour le lendemain, j'ai un jour de décalage. Mais là hier on s'est baladé, j'avais pas envie de filmer. Je voulais profiter, profiter un petit peu et c'est vrai que filmer tous les jours c'est quand même. C'est du boulot quand même. Comme il y avait pas mal de mauvais messages, c'est vrai que ça m'avait. J'avais perdu un peu le goût de filmer. Mais là ce matin, ça va, je suis motivé. Donc j'ai envie de faire une belle vidéo. Voilà, ça y est, je suis prêt. Allez, on va sortir gros toutou, puis après on va aller se balader dans le Enfin, quand même, village. à prendre son petit déjeuner. Bah oui, hein, toi aussi. Ouais, t'as des petites crottes encore. Tous les matins, t'as des petites crottes. Bah ouais, t'as les yeux qui coulent un petit peu. Voilà. Allez. Allez, bon appétit! Ça y est, t'as bien mangé? Bon, un petit coup. Qu'est-ce que tu sniffes là? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Dis donc, t'as pas mangé là peut-être? Oh mon gros toutou! Heureusement que tu es là, toi. Hein? Bah oui. Gros. Que t'es beau. C'est quoi cette tête? Me fait trop rire, mon gros toutou. Bah oui. Allez, on va sortir. Allez, on va tout petit armée. Mon gros toutou. Voilà. Allez, c'est parti. Salut Nani. T'as bien dormi? Oui, c'est Et toi Dan, tu as bien dormi? Ah, toujours. Pas eu trop froid? Ah bah non, bah, avec un radiateur électrique. Ah, ça c'est bien ça. Non, mais même trop chaud. Trop chaud? C'est cool ça. Vraiment, moi je mets. Habitué à des basses températures. Ouais. C'est surtout sur le matin. C'est agréable quand tu te lèves, tu rentres. Et puis la petite toilette, il y a un peu de chauffage. On peut voir qu'effectivement, ça a complètement gelé cette nuit. Donc j'avais allumé un petit peu mon chauffage au gaz. Parce que là, c'est vraiment, il faisait vraiment trop froid. Donc j'ai préféré allumer
au lieu d'abîmer le camping-car, quoi. Parce que c'est vrai que quand ça gèle vraiment comme ça, c'est un petit peu dangereux pour le camping-car. Donc je l'allume vraiment, vraiment quand ça gèle énormément comme aujourd'hui, quoi. Mais bon, normalement ça devrait s'améliorer un petit peu dans les prochains jours. Alors, ils ont annoncé par contre pas mal de pluie. Mais bon, au moins les températures seront plus clémentes. Donc c'est pas plus mal. Regardez un peu comme c'est agréable le matin ici. Et les oiseaux qui chantent. Qu'est-ce que j'aime me réveiller le matin en pleine nature. C'est vraiment trop top, quoi. Voilà, on n'est pas très loin du village, donc ce qui est bien, comme ça je peux y aller à pied. Il y a des petits oiseaux qui se cherchent là-bas. Ça sent bon le printemps. Voilà, je suis en train de me rapprocher du village. Enfin, je sais pas si c'est une petite ville ou un village. Okay, il y a une église au fond, on va aller voir ça. Regardez, juste à côté de la route. Hop là. Vous voyez, il y a un petit hôtel avec Jésus. Il y a des jolies petites maisons là. Tout en pierre. Plutôt sympa. On est en train d'arriver à côté de l'église. On va se rapprocher pour voir ça plus près. C'est vraiment magnifique, hein. Ce beau ciel bleu derrière, les petits oiseaux. Apparemment, on peut rentrer par la porte latérale droite. Donc, on va essayer. Elle est vraiment très jolie cette église à l'intérieur, magnifique. C'est quand même plutôt sympa comme petit village, hein. Voilà, de retour au spot. Voilà, bah j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Donc on ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.